Merci pour ta grâce de venir recevoir instruction et illumination. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci car tu as payé le prix sur la croix du calvaire pour qu'un pécheur comme moi puisse être sauvé. Je dis merci pour ce privilège et cette honneur de dire à ta présence tant que ton représentant. Donne-moi la grâce ce matin de prêcher ta parole avec excellence et clarté, dans le but de lever une église glorieuse sans ride et sans tâche. Reçois l'honneur, mon Père, la voix, la puissance et la majesté, et multiples acclamations à Jésus, dans le village à jamais, et que Dieu te bénisse. Assurons-nous tous. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de Jésus. C'est venu ce matin pour avoir une révélation capable de changer à jamais vos vies. Je sais que certainement le Seigneur fait la même chose dans ta vie. Tu es d'accord, tu dis amen. Amen. Je voudrais saluer tous ceux qui sont venus de près comme de loin pour assister à cette grande école du ministère. Issoumikas Bible School, où vous impartez les informations nécessaires, capables de révolutionner vos vies chrétiennes. Fais en sorte que tu quittes de zéro et que tu termines héros. Pourquoi est-ce que le corps du Christ se trouve dans cette phase actuellement? C'est parce qu'il y a un problème de révélation. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance par les prières. Les chrétiens prient beaucoup, mais les chrétiens démontrent peu la puissance de l'esprit. Le premier atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier très simple et très puissant. Et cet atelier a trait à la puissance de Dieu. J'appelle cet atelier « Bye bye to powerless Christianity ». Que quelqu'un dise « Amen ». Dis « Bye bye ». Bye bye. Tu parles à l'ex-christianité. Au revoir à une chrétienté sans puissance. Quelqu'un dit amen. Je voulais qu'on était prêt, puisse parler du coup et me traduire. Bye bye, tu parles à l'ex-christianité. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? On est prêt? Vous êtes sur le camp pour moi, on est prêt? Amen. Ok, vous n'êtes pas prêt. Je vais traiter les gens qui sont chez eux. Je constate que vous êtes fatigué, je vais continuer les gens qui sont dans leur petite maison et un petit écran. Bye bye to powerless Christianity. Vas-y. Au revoir à la chrétienté sans puissance. Donc ce matin, le Saint désire des informations de qualité pour quelqu'un. So this morning, the Holy Spirit has some quality information for somebody. Vous savez, depuis un certain temps, for some time now, on a remplacé la puissance de Dieu. We have replaced the power of God avec les sensations. With the feelings. On a remplacé la puissance de Dieu. We have replaced the presence of God avec le divertissement. With entertainment. Donc je viens donc ce matin. So I come this morning. Dire au revoir. To say goodbye. À un christianisme sans puissance. To a powerless Christianity. Je vais encourager chaque chrétien qui va m'écouter ce matin. I would like to encourage every Christian that will listen to me this morning. À chercher la présence glorieuse du Seigneur. To look for the glorious presence of the Lord. Le temps est passé, on vient à l'église. Time has passed when people come to church. Il n'y a que le pasteur qui chasse les démons. And it's only the pastor who casts out devils. Le temps est passé, on vient à l'église. Time has passed when you come to church. Il n'y a que le prophète qui prophétise. And it's only the prophet that prophesies. Le temps est passé, on vient à time has passed when you come to church. Il y a que l'évangéliste qui évangélise. And there's only the evangelist that evangelizes. Le temps est arrivé finalement. The time has finally come. Où le monde entier doit voir la puissance de Dieu. Where the whole world has to see the power of God. C'est que l'apôtre Paul l'a dit. That is what Apostle Paul said. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. In the book of 1 Corinthians chapter 2. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 4. La Bible déclare. Vas-y. In 1 Corinthians chapter 2, from verse 4, the Bible says. Chapter 2, verse 4. Il dit ma parole et ma proclamation. He said my word and my proclamation. N'avait rien de discours persuasif de la sagesse. Has nothing with the persuasive discourse of wisdom. C'était une démonstration d'esprit, virgule, de puissance. But it was a demonstration of power. And spirit. Pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains. For your faith not to be built on the wisdom of men. Mais en la puissance de Dieu. But on the power of God. L'apôtre Paul dit que son message n'était pas dans la philosophie. Apostle Paul said that his message was not based on philosophy. L'apôtre Paul dit que son message n'était pas dans les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Apostle Paul said his message was not in the discourse of the wisdom of men. L'apôtre Paul dit qu'il n'était pas un orateur. That he was not an orator. Mais il était un démonstrateur de l'esprit. But he was a demonstrator of the spirit. Il n'est pas venu raconter les histoires du quartier. He did not come to tell people stories.
J'en ai marre de voir l'église. I am tired to see in the church. Des histoires dormies debout. Stories. Les gens veulent voir Dieu à l'œuvre. People want to see God. Les gens veulent voir Dieu agir. They want to see God moving. Les gens veulent voir l'impact spirituel de l'église. They want to see the spiritual impact of the church. Toi qui m'écoutes ce matin. You listening to me this morning. Je t'encourage à rechercher. I encourage you to look for. Une dimension profonde dans l'esprit. A deep dimension of the spirit. Bye bye. Goodbye. À un christianisme sans puissance. To a powerless Christianity. J'ai d'accord, tu t'y amènes très fort. Amen. Vous savez, il y a plusieurs niveaux dans la puissance de l'esprit. You know, there are many levels in the power of the spirit. Nowadays, when we pray, people fall. Ça choque certains chrétiens. Some Christians are shocked. Ouais, les gens tombent trop là-bas comme ça. How are people falling so much there like that? Qu'est-ce que ces gens vont dire? What are those people going to say? Quand tu vas entrer dans la prochaine dimension de puissance. When you are going to enter the next dimension of power. Que j'appelle epikaizo. That I call epikaizo. Une dimension si profonde. Yes. A deep dimension. Une dimension si glorieuse. A glorious dimension. Ce que l'œil n'a point vu. That the eye has never seen. Ce que l'oreille n'a point entendu. That the ear has never heard. Ce qui n'est jamais monté. Whatever came to the mind of dans man. Dans le cœur de l'homme. To the heart of man. Dieu a gardé cette puissance. God has kept that power. Pour l'église de la fin des temps. For the church of the end of time. Il est temps que les chrétiens expérimentent. It is time for Christians to experience. La puissance des siècles à venir. The power of the ages to come. Quand je parle de l'histoire de la Bible. When I go to the history of the Bible. Je vois l'histoire de l'homme comme Shadrach, Meshach et Abednego. I see the story of the men called Shadrach, Meshach and Abednego. Je vois une démonstration de puissance. I see a demonstration of power. La capacité d'endurer le feu. The ability to endure fire. D'endurer même le froid. To endure cold. Voilà, l'apôtre Paul est tombé un jour en plein mer. Apostle Paul fell in the middle of the sea. Il n'a pas eu le malheur. He did not have malaria. Mais de nos jours, dès qu'un petit froid passe. But now, when there is a small cold. Les chrétiens sont affectés. All the Christians are sick. Parce qu'on vit dans un christianisme sans puissance. Because we live in a powerless Christianity. On a remplacé la présence de Dieu avec des dissertations. We have replaced the presence of God with some essays. On prend tous nos messages sur internet. We take all our messages on the internet. Le Saint-Esprit est parti en congé. The Holy Spirit went on vacation. Mais Shadrach, Meshach et Abednego. But Shadrach, Meshach and Abednego. Ont été jetés à la fournaise ardente chauffée cette fois. They were thrown in the blast furnace. Mais au travers de la puissance qui était sur eux. But through the power that was upon them. Pas dynamis. Not dynamis. Mais epikaizo. Yes. Epikaizo. Une dimension plus profonde de puissance. A deeper dimension of power. Le feu n'a pas pu brûler leur corps. The fire could not burn their body. Ils étaient immunisés contre le feu. They were immune against fire. Le temps est finalement arrivé. Time has finally come. Où le monde entier doit voir Dieu agir. Where the whole world has to see God moving. Le temps est finalement arrivé. Time has finally come. Le corps du Christ va se lever. Where the body of Christ has to rise. Et je voudrais lever en cette matinée. And I would like to rise this morning. La génération de la fin des temps. The generation of the end of time. Un peu qui connaît l'esprit. A people who know the spirit. Un peu qui connaît l'onction. A people who know the anointing. Et un peu qui connaît la parole. And a people who know the gospel. C'est toi devant la mettre comme un champion. Yeah! La Bible nous parle de l'histoire de l'apôtre Jean. The Bible talks about the story of Apostle John. On appelait Saint Jean le divin. Yes. They were calling him Holy John the Divine. C'est un homme que la mort n'a pas pu conquérir. He was a man that death could not conquer. On a jeté à l'île de Patmos à cause de la persécution. He was thrown in the Patmos island because of persecution. Il n'avait pas de nourriture. He had no food. Mais au travers de la puissance qui était sur lui. But through the power that was upon him. Epikaizo. Epikaizo. La puissance était si concentrée dans sa vie. The power was so much concentrated in his life. On jette un homme dans une île déserte. They throw a man on a desert island. Le jeûne ne le tue pas. Fasting does not kill him. Il revient le retour quelques temps avec le livre de l'Apocalypse entre les mains. They found him some time later with the book of Revelation. Il entre dans les vraies dimensions. If he wants to enter real dimension. Ce même Jean. That same John. L'histoire de la Bible nous fait comprendre. The story of the Bible says. Dans le livre qu'on appelle les Actes des Saints. In the book that they call the Acts of the Holy. Ce qui s'est passé à l'ère des apôtres. What happened during the time of the apostles? On dit que lors de la persécution. They said during the time of persecution. On l'a placé dans une marmite. They put him in a pot. Rempli d'huile. Filled with oil. On a chauffé cette huile. And the oil was heated. L'huile n'a pas pu tuer l'apôtre Jean. The oil could not kill the apostle. C'est là où il a dit avec assurance. That is when he said. Que tout ce qui est né de Dieu. That all what is born of God. Triomphe du monde. Amen. Conquers the world. Et que tout ce qui est anagenao. Yes. He said all what is anagenao. Nikao le monde. Nikao the world. C'est-à-dire que un niqué. That is
a Nike. C'est quelqu'un en grec qui est puissant d'invincibilité. It is someone in Greek who has the power of invincibility. Il est puissant qu'on appelle en grec Kratos. He has the power that they call in Greek Kratos. Qui est notre dimension, la puissance de l'esprit. That is another dimension of the power of the spirit. Quand Kratos power est sur toi. Quand Kratos power is on you. Tu es indestructible. You are indestructible. Et je crois que ce matin. And I believe that this morning. Un chrétien va désirer les dimensions pareilles. A Christian is going to desire such dimensions. J'allais pas d'apprendre qu'il y a certains bandits, tu tires la balle, ça n'entre pas. I'm tired to hear that there are some things that are not that are bulletproof. Mais il est temps de voir des chrétiens. But it is time to see some Christians. Au-dessus des agressions. Above aggressions. Le bandit tire. The thing will shoot. La balle n'arrive pas à percer son corps. And the bullet will not be able to go through. Parce qu'il est emballé, saturé. Because it's saturated. Avec la puissance des siècles à venir. With the power of the ages to come. C'est pas vous que je parle, pas à ceux qui sont à la maison. I'm not talking to you, I'm talking to people in their homes. Je parle à quelqu'un qui est chez lui. I'm talking to someone in his house. Qui est en train de chercher un Dieu vivant. Who is looking for a living God. Je parle aux gens des siens. I'm not talking to people of earth. Je parle à ceux qui sont en train de chercher. That's not what they are looking for. Je parle à quelqu'un qui est dans sa maison. I'm talking to someone who is in his house. Et qui se dit que mais est-ce que la vie que c'est le mal chanté, prier, adorer? Who say is the Christian that only singing, praying and praising? Je parle à quelqu'un qui va désirer. I'm talking to someone who would desire. Une puissance qui est solide. Such a wonderful power. Qu'aucun démon ne pourra résister à ton commandement. That no demon will resist your commandment. Ma Bible déclare que les mouchoirs qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. My Bible says that the handkerchiefs that were touching the body of Apostle Paul. Chassaient les démons et guérissaient les malades. Were casting out the demons and healing the sick. Je veux dire ce matin que Dieu contamine un chrétien. I would like this morning that God can contaminate a Christian. Si un mouchoir peut faire des choses spectaculaires. If a handkerchief could do such things. Je crois que tu dépasses le mouchoir. I think that you are a handkerchief. Je parle de Picaïso ce matin. I'm talking about the Picaïso this morning. La dimension supérieure de l'opération de la puissance. A superior dimension in the operation of power. On a connu dynamis. We know dynamis. La puissance pour opérer les miracles. The power to operate miracles. Mais il y a miracle, miracle. But there are miracles and miracles. Dynamis est activé par la foi. Dynamis is activated by faith. S'il n'y a pas de foi, dynamis ne fonctionne pas. If there is no faith, dynamis cannot work. Dynamis a besoin que les gens soient engagés à ce que tu prêches. Yes. Dynamis needs people to be committed to what you are preaching. S'ils ne sont pas là, rien ne se passe. If they are not there, nothing can happen. Dynamis a besoin que les gens répondent à ton message. Yes. Dynamis needs people to answer to your message. Dynamis a besoin de voir les actions de foi pour se manifester. Yes. Dynamis to see acts of faith to manifest. Mais quand tu opères avec Picaïso, but when you operate with Picaïso, tu viens avec ton climat. You come with your climate. Ta foi dépasse l'incrédulité. Your faith is above all. Quand tu viens avec Picaïso, when you come with a Picaïso, tu n'as pas si foi que miracle paraît peut se produire. You will not ask whether they believe such a miracle can happen. Tu deviens producteur de miracles. You become a miracle producer. Je n'en ai plus d'argent. Je te parle des gens qui ont la puissance pour contrôler la nature. I'm talking about people who have power to control nature. La Bible déclare que Jésus marchait sur l'eau. The Bible says that Jesus was walking on water. Mais où est passé le Saint-Esprit qui était en Jésus? But where is the Holy Spirit that was in Jesus? On l'a conditionné. We have conditioned him. On l'a mis dans un carton. We have put him in a box. Et lorsque quelqu'un opère une dimension que tu ne connais pas, tu l'appelles sorcier. And when somebody opens a dimension that you don't know, you call him a wizard. Tu es plus grand que ton église. You are greater than your church. Tu es plus grand que ton église. You are greater than your church. Dieu est plus grand que ton église. God is greater than your church. Ça dit pourquoi Dieu peut faire ce que l'œil n'a pas vu. Can do what the eye has never seen. Ma Bible déclare que Moïse. My Bible says that Moses a pris son bâton, took his road. Il a crié à Dieu. I shouted to God. Le Seigneur regarde la mer devant nous. That look at the sea ahead of us. Dieu dit que Moïse, tu as quoi entre tes mains? God said, Moses, what do you have in your hand? Il a dit la verge. I have a road. Je dis, étends-moi ta verge, fais-moi là. The Lord said, rise up your road and. La Bible déclare que la mer s'est fendue. The Bible declares that the water was supplied. Il a tendu sa verge. When he straightened his road. La puissance de Dieu entra en action. The power of God came into action. Je voulais voir en cette fin de temps. I would like to see this end of time. Des chrétiens capables de stopper les tempêtes. Christians are able to stop some weather. Des chrétiens capables de stopper les tempêtes. Christians able to stop some bad weather. Des chrétiens capables de changer le climat de certaines régions. Christians able to change climate and weather. Les chrétiens qui vont arriver là où il n'y a pas de pluie et ils appellent la pluie. Christians who will be there where there is no rain and they will call the rain. Les chrétiens qui vont arriver là où il ne pousse pas, l'herbe va pousser. Christians will be able to make the je parle des chrétiens d'une autre dimension. I'm talking about another dimension of Christians. La Bible dit que la création entend.
entière. The Bible says the whole creation attendait, attendait, is waiting la manifestation des fils de Dieu. For the manifestation of the sons of God. J'en ai marre des bébés spirituels. I'm tired of children in the spirit. Qui partent d'église en église. Who go from one church to the other. De croisade en croisade. From one crusade to the other. Des positions de main, des positions de main. From laying hands to laying hands. Je cherche un chrétien. I'm looking for a Christian. Qui va décider la puissance des siècles à venir. Who can desire the power of the ages to come. Les gens qui m'ont parlé comme Josué. People who can talk like Joshua, fils de Noun, son of Noun, qui a parlé au soleil, who spoke to the sun, et le soleil s'est calmé, and the sun came quiet. Je cherche les gens comme Moïse. I'm looking for people like Moses, qui a parlé au sol, who can talk to the ground. Le sol m'a souri, and the ground et les ennemis seront tirés. And the enemies are going to je parle des gens comme Élisée. I'm talking about people like Elijah. Quelqu'un capable de rendre un peu toute une armée. People able to make man a whole army. J'en ai marre des chrétiens qui ont peur des sorciers. I'm tired of Christians who are afraid of wizards. La peur des sorciers c'est une folie pour le chrétien. The fear of wizards is foolishness for a Christian. La peur des bandits c'est la stupidité pour un chrétien. The fear of thieves is stupidity for a nous Christian. Nous portons le trésor dans les vases de terre. We carry a treasure in a il est temps que les chrétiens se manifestent. It is time for Christians to manifest. Il est temps que le corps de Christ se lève. It is time for the body of Christ to rise. Aille dans le lieu secret. To go in the secret place. Cherche la présence intime de Dieu. Look for the presence of God. Il n'y aura plus les couches de nuit. There will be no time for. Il n'y aura plus les nourritures de nuit. There will be no time for night food. Il n'y aura plus je ne dors pas bien. I don't sleep well. Il n'y aura plus que mon genou me fait mal. My knees pain. Parce que tu vas marcher dans la gloire Shekinah de Dieu. Because you are going to walk in the Shekinah glory of God. Il n'y a pas les gens je continue. Et pas les chrétiens le pouvoir de contrôler la matière. I'm talking with, about Christians with the power to control matter. Les gens capables de changer la matière. People who can change matter. Jésus a tourné l'eau en vin. Jesus changed water into wine. Nous sommes des enfants de Dieu. So we are children of God. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? What are we doing? Le monde entier veut voir quelque chose qui dépasse son prix, les gens tombent. Yes, sir. The whole world to see something above praying and people falling. Et tu crois que prier fait tomber les gens, c'est une dimension de puissance, tu te trompes. If you believe that making people to fall is the dimension of power, it is false. Michael Jackson fait tomber les gens. Michael Jackson makes people to fall. Et les artistes, quand ils sont, les gens s'évanouissent. There are some singers when they come, make people collapse. Si tu crois que parce que les gens sont tombés quand tu pries, le culte était puissant, tu es un blagueur. If you believe that when you people fell, the church was powerful. Où sont les gens comme William Marion Branham? Where are people like William Marion Branham? Les gens qui ont touché un super creative level of power. Les gens qui ont touché un niveau les gens qui ont manifesté une puissance sans pareil. People who manifested a superior dimension of power. Et quelqu'un qui est dans le son baptême. Somebody is that doing his baptism. Le visage du Christ s'est formé au ciel. The sense of Christ was in heaven. En pleine croisade. In the middle of a crusade. Le Jésus que toi tu racontes que tu connais. The Jesus that you say you know. Quelqu'un l'invoque. Someone calls on him. Et son visage se forme dans le ciel. And his face is on in voilà heaven. Les dimensions de puissance. That is the dimension of power. Quelqu'un qui un jour il avait ministré quelque part. Someone who one day was ministry. Et dit que vous là vous êtes dans le péché. I tell you are living in sin. Les pasteurs niaient. The pastors were denied. Le gars commandé. He commanded. Le pulpit s'est fendu. And the pulpit broke. Là où il était placé, il s'est avancé. While he was standing, he came forward. Les pasteurs péchés étaient derrière. And the sinning pastors were denied. Mais pas les gens qui ont joué en pleine croisade. I'm talking about people who in the middle of a crusade. Quelqu'un se lève pour dire que Branham tu es du diable. Someone stand up and say, Branham, you are from the devil. Le gars regarde la personne. You look at the person. Et dit que mais God rebuke you. Il dit que maintenant Dieu te rejette. Le gars est tombé instantané devant tout le monde. And the boy fell in the middle of people. Où est passée la puissance du Saint-Esprit? Where is the power of the Holy Spirit? Où est passée la puissance de l'Esprit? Where is the power of the Spirit? Ce n'est pas les gens qui ont touché un esprit puissant comme Jésus. I'm talking about people who went to a dimension like Jesus. Quelqu'un parle au pain, le pain se multiplie. He will talk to bread and the bread will multiply. Il parle au figuier, le figuier sèche. He will talk to the fig tree and it will wither. Il parle au poisson, le poisson mange l'or. You will talk to the fish and the fish will eat gold. Si tu entres des dimensions pareilles, if you enter such dimensions, tu vas faire des requêtes. Yes. You will need some tu seras la réponse aux prières. Because you need answers to prayer. Tu veux les gens qui sont sur vous. Je ne suis pas avec vous ici à Monte Jouvence. I'm not talking to you here in Monte Jouvence. Ça, ce n'est pas votre message. It is not your message. Je m'adresse à quelqu'un qui est chez lui. I'm talking to someone in his house. Qui a demandé à Dieu une visitation divine. Who asked God a divine visitation. Quelqu'un qui est persécuté. Someone who is persecuted. Parce que sa vie chrétienne est surnaturelle. Because his Christian life is supernatural. Et il n'arrive pas à comprendre. Someone that people are not able to understand. Parce qu'il vit étrange. He
Because what you need is strength. Je l'ai dit à ce chrétien. I would like to tell to that Christian. Ce que tu vis. Now what you mean? C'est vrai la dimension normale du christianisme. That is the normal dimension of Christianity. C'est ceux-là qui ont besoin d'un réveil spirituel. There are the other people who need a spiritual revival. J'ai appris qu'il y a beaucoup d'églises réveillées. And then there are so many revived churches. Mais j'ai la tristesse d'annoncer qu'il n'y a pas beaucoup d'églises réveillées. But I have the sadness to announce that there are not such churches. Parce qu'une vraie église réveillée. Because a real revival church. C'est une église qui marche la mouvement, la puissance et la démonstration de l'esprit. It is a church that works in the demonstration of power. Ce n'est pas une église qui prêche à haute voix. It is not a church that preaches loudly. Ce n'est pas une église qui parle en langue seulement. It is not only a church that speaks in tongues. Et Daniel avait des rêves. Daniel was having dreams. Où sont les rêveurs de nos jours? Where are the dreamers now? Où sont les gens capables de voir le rêve de quelqu'un? Where are the people able to see the dream of other people? Où sont les gens capables de te raconter le rêve sans que tu lui racontes ton rêve? Where are the people able to tell you your dream without you telling him? Où est l'onction qui était sur Joseph? Where is the anointing that was on Joseph? Pendant qu'il était en prison, il raconte le rêve de qui est sur le trône. While he was in jail, he tells the dream of someone who is on the throne. Mais cette onction revient de la présence. But that anointing comes back in the presence. Où est le Dieu qui marchait avec les Moïse? Where is the God that was walking with Moses? Et qui leur parlait de manière audible? And that was talking to them in an audible manner. Où est ce Dieu? Where is that God? Où est ce Dieu? Where is that God? Où je te parle, tu écoutes sa voix de manière audible quand tu as parlé dehors. Where God speaks to you in an audible way? Où est passé? Où sont passées les apparitions angéliques? Where are the angelic apparitions? Combien de chrétiens voient les anges? How many Christians are seeing angels? Les anges sont avec nous. Angels are with us. Tu n'as jamais vu un ange. You have never seen one. Maintenant quelqu'un entre une dimension supérieure. It's time for someone to enter into a superior dimension. Où je peux parler un ange. Where I can speak to an L'ange part accomplir la mission quelque part. And the angel goes to achieve that mission. Un petit sorcier envoie un démon, le démon obéit. It's not what I will send a demon and you obey. Quand tu n'arrives pas à donner un commandement, ça se passe. And you are not able to give a commandment. Quelqu'un parle les loges, il prend les pouvoirs. Quand il parle, l'accident se produit. Someone will go into an occultic group and you will send powers and it will happen. Quand tu n'arrives pas à rien produire. But you cannot produce anything. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. And you say you are a child of God. Donc tes paroles n'ont pas de puissance. Because your words have no power. La Bible déclare que là où est la parole du roi, il y a la puissance. My Bible says that where there is the word of the king, there is power. Mais Ézéchiel a les apparitions. Ezekiel was having apparitions. Mais Isaïe a voyé les cieux ouverts. Isaiah was seeing open heavens. Où sont passées les visions? Where are visions? Où sont passées les démonstrations surnaturelles? Where are supernatural demonstrations? Il déclare que la main de Dieu venait sur Ezekiel. The Bible says that the hand of God was coming on Ezekiel. Et le gars voyageait en esprit. And he was traveling in the spirit. De nos jours, sous les persécutions, qui voyagent en esprit. Now there is people from the red cross that will travel in the spirit. Les gens du New Age qui sortent de leur corps. People of the New Age that will go out of their body. Combien de chrétiens peuvent témoigner que le Saint-Esprit du sur moi, il m'a transporté en esprit? How many Christians can testify that the Holy Spirit came on him and I was transported in the spirit? Combien de chrétiens peuvent parler comme Ézéchiel? J'étais assis au bord du torrent, la main était venue sur moi et il m'a transporté et il m'a enlevé de mon corps. J'ai commencé à voler, voir la terre d'en haut. How many people can talk like Ezekiel and say that the hand of God carried him? Combien peuvent parler comme la Paul. How many can speak like Apostle Paul? Que je connais un homme. That I know a man. Qui fut ravi en esprit. That was caught up in the spirit. Et il partit jusqu'au troisième ciel. And he went to the third heaven. Et il vit des choses qu'il n'a pas permis un homme de dire. And he saw things that man is not permitted to see. Combien de chrétiens peuvent parler comme Philippe? How many Christians can talk like Philip? Quand il a parlé à l'éduc éthiopien. When he spoke to the Ethiopian eunuch. Le gars a disparu physiquement. And he physically disappeared. Il est parti avec tout son corps. He went with all his body. Et Dieu l'a amené ailleurs. And God brought him somewhere else. I went to raise this end of time. People who can leave the dimension of the anointing. And who can enter the glory of God. Amen. Amen. Vous n'êtes pas là. Talk to me. Amen. Amen. Because you are not here. Amen. Amen. Many Christians pray in tongues. How many Christians interpret their tongues? Many Christians pray for the sick. How many see results? I'm tired of prayers. I want to see some results. I'm tired of some sentences that you take here and there. Oh, cette semaine, oh this week. Ça va se passer. This is going to happen. Rien ne se passe. Nothing happens. Mais quand Dieu parle, but when God speaks, sa parole ne sort jamais de sa bouche. His word never comes out of his il mouth. Il rentre à lui. And come back to him. Sans accomplir les buts. Without achieving the goal. Les desserts. And the aims. Pour lesquels il est sorti. Why he came out. Mais que ce
matin, but this morning, Dieu réveille ta vie chrétienne. God revives your Christian life. Je parle à ceux qui sont chez eux. I'm talking to people in the house. Mais quand Dieu réveille ta vie chrétienne, may God revive your Christian life. Et qu'il mette sa touche surnaturelle. And let him put his supernatural touch. Qui te rend capable d'écouter les choses à distance. Make you able to get things from far. Qui te rend capable de prophétiser. Make you able to prophesy. Qui te rend capable d'avoir des visions. That makes you able to have vision. Qui te rend capable de nager, flotter à l'esprit. That makes you able to float in the spirit. Qui te rend capable de voyager à l'esprit. That makes you able to travel in the spirit. Qui te rend capable de visiter le ciel. That makes you able to visit heaven. Qui te rend capable de parler à la nature. That makes you able to talk to nature. Qui te rend capable de contrôler la matière. That makes you able to control. Capable de chasser les démons. That makes you able to cast out demons. C'est toi la personne dont on la met très dangereuse. Je viens provoquer un réveil dans ta vie. I want to provoke a revival in your life. Je viens provoquer un réveil dans ta vie. I want to provoke a revival in your life. J'ai eu à transporter plusieurs personnes en esprit. I had to transport many people in the spirit. God transported many people in the spirit. Plusieurs personnes en esprit. Many people in the spirit. Bref, 2 Rois chapitre 7. Go to 2 Kings chapter 5. Dans 2 Rois chapitre 7. In 2 Kings chapter 5. Verset 26. Verse 26. Tu es là-bas, tu dis amen. Amen. La Bible déclare ceci. On lit. Assez peu lit. Mais Élisée lui dit. But Elijah said. Mon cœur n'était-il pas là? My heart wasn't it there. Mon esprit n'était-il pas là? My spirit wasn't it there. Lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre. When that man came out of his thing to come to your meeting. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des filles, du bétail et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Donc Dieu dit à Élisée. So God said to Elijah. Que Géasi. That Géasi. Quand tu es parti prendre l'argent. When you went to take money. Mon esprit était avec toi. My spirit was with you. Il était à la maison. He was in the house. Mais son esprit. But the spirit est parti voir went to see ce qui se passe là-bas. What was happening there? Et il a vu avec précision. And he saw with precision. Tout ce que a passé là-bas. Tu es là dans la main d'Angèle. Je vais dire à quelqu'un ce matin. I'd like to tell to someone this morning. Il est temps que tu te fâches en esprit. It is time for you to get angry in the spirit. Il est temps que tu montes une dimension supérieure. You need to go to a superior dimension. Il est temps que tu t'enfermes dans ta chambre. To lock up in your room. Que Seigneur. That Lord. Saint-Esprit. Holy Spirit. J'ai faim de toi. I am hungry of you. Et quand tu cours chercher la présence de Dieu. That you go and look for the presence of God. Et lorsqu'elle adorait les gens guérissaient. And when she was praising, worshiping, people were getting healed. Les gens courent chercher la présence de Dieu. John called look for the presence of God. Le gars commandé 120 paralytiques ont marché en un commandement. And 120 paralyzed people walked. Les gens comme les A.A. Allen. People like A.A. Allen. On fait des miracles spectaculaires. Make wonderful miracles. Les gens comme les Maria Woodford Eaters. People like Maria Woodford Eaters. Les gens tombaient des kilomètres de là où elle prêche. People were falling at some kilometers where she was preaching. Les gens tremblaient sur l'onction, d'autres dormaient sur l'onction, d'autres se levaient le lendemain. People were sleeping under the anointing and getting up the next day. J'en ai mal des masses. I'm tired of being. Je voudrais que la vraie haute tension localise ta vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que les gens tombent encore sur la puissance de nos jours? Are people still falling under the power nowadays? On dirait que Dieu caresse les gens. It's like God is caressing people. Mais quand tu vois les gens comme John G. Lake. But when you see people like John G. Lake. Quand il pointait son doigt vers quelqu'un. When he was pointing his finger. On dit que la puissance te frappait comme si on a tiré sur toi. Yes. The power will beat you as if it was a gunshot. Où est l'énergie de Dieu? Where is God's energy? Les gens viennent dans les cultes et marchent leur chewing gum en paix. People will come to church and they will be chewing their chewing gum. Personne n'est sauvé, personne n'est transformé. Nobody is saved, nobody is transformed. On est fier d'avoir une grande église. We are happy to have a big church. Avec un très petit Dieu. With a small God. Il est temps que ce matin. It is time this morning. Quelqu'un cherche un grand Dieu. Someone will look for a great God. Dans une petite église. In a small church. Et il aura le monde entier. And he will have the whole world. Il aura une armée plus forte. I'm tired of your spiritual dimension. J'en ai marre de voir les programmes et pas ça, rien ne passe. I'm tired to see wonderful programs, but there's nothing wonderful. J'en ai marre de voir il y aura des miracles en abondance, il n'y a aucun miracle. I'm tired to see there will be miracles, but there's no miracle. J'en ai marre de voir soirée prophétie, il n'y a aucune prophétie. I'm tired to see prophetic night without a prophecy. J'en ai marre de voir les bonnes connaissances fabriquées. I'm tired to see word of knowledge that were created. Il est temps que Dieu amène quelqu'un. It is time for God to bring someone. Il est temps que Dieu m'amène. It is time for God to bring me. Il est temps que Dieu t'amène. It is time for God to bring you. Et dimanche, tu peux dire à quelqu'un ce qu'il a
dit dans sa chambre. To a dimension where you can tell to someone what he said in his room. Je voudrais encourager un chrétien maintenant. I'd like to encourage a Christian right now. Dis non à la paresse. To say no to laziness. À fortifier ses genoux. To fortify his knees. À prier en langue comme un malade. To pray in tongues like a malade. À chanter comme si le vieux bête. To fight like he was foolish. Parce que quand le Saint-Esprit va te visiter. Because when the Holy Spirit will visit you. Ça va changer ta vie à jamais. It will change your life forever. Une seule touche venant de Dieu. Only one touch from God. Peut changer ta vie au siècle des siècles. Can change your life forever. En une visite. In one visit. Il peut déposer des charismes en toi. He can deposit some charisma in you. En une visite. In one visit. Il peut faire de toi un grand prophète. He can make you a great prophet. En une visite. In one visit. Il peut t'accorder un don de guérison exceptionnel. He can give you a wonderful healing gift. Il peut t'accorder un téléchargement divin. He can give you a heavenly download. C'est que tu comprends les choses que tu ne connaissais pas. That is, you can understand things that you did not know. Il n'est pas capable de comprendre les choses dans le monde scientifique. He makes you able to understand things in the scientific world. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est plus grand que la prière. I'd like to tell to someone that God is greater than prayer. Dieu est plus grand que Living Christ Ministry. God is greater than Living Christ Ministry. Il est plus grand que docteur. He is greater than doctor. Il est plus grand que Montejuvan. He is greater than Montejuvan. Mais que chaque chrétien aille chercher la présence de Dieu. But every Christian should want to look for God's presence. Quand tu veux seras vraiment en feu. When you be on fire. Les gens viendront te voir brûler. People will come and see you burn. John Wesley a dit ceci. John Wesley said. Tout ce que j'ai à faire. All what I have to do c'est me mettre en feu. Is to catch up fire. Et quand je suis en feu, and when I'm on fire, les gens viennent du nord, people will come from du the north, sud, from the south, from the east and west, pour me voir brûler, to come and see me burn. Arrête d'utiliser les stratégies du monde. Stop using worldly strategies. Pour faire grandir le ministère. To make your ministry grow. Mais que le Saint-Esprit soit le partenaire de ton ministère. Let the Holy Spirit be the partner of your ministry. Tes affaires seront surnaturelles. Your business sera surnaturel. Your marriage will be surnaturel. Your project will be surnaturel. Your project will be en conclusion, yes. To conclude, la puissance de Dieu, the power of God, est là, is there, on ne désire pas, but we don't desire. On a peur d'énerver les autres. We are afraid to make others angry. On veut respecter le protocole. We want to respect the protocol. Et on frustre l'esprit. And we frustrate the spirit. On ne parle pas en langue parce qu'il est nouveau. You cannot speak in tongues because they are new people. Je ne parle pas en langue pour le nouveau. I'm not speaking in tongues for him. Il n'est pas venu dans un pays en français. He's not coming in a place where they speak the praying French. Je ne change pas l'ordre de mon culte parce que tu aimes l'ordre. Yes. I will not change the order of my service because you don't like it. Tu es dans un cas, je peux te recommander un bon cimetière. If you want a quiet place, I can recommend you a good cemetery. Living Christ Ministry ce n'est pas la mort. Living Christ Ministry is not a cemetery. It's just n'est pas le congélateur. It's not a fridge. Quand tu viens ici, when you come here, je te fireras. I will fireize you. Quelqu'un n'a pas dit amen derrière. Je suis pas là pour te doloter. I am not here to caress you. Quand il t'impose les mains, when I lay hands on you, le feu descend franchement sur toi. The fire comes down on you. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Saint-Esprit. Holy Spirit, j'ai peur de toi. I'm hungry of you. Saint-Esprit, Holy Spirit, j'ai peur de toi. I'm hungry of you. Où est ta puissance? Where is your power? Il dit c'est en toi. He said it's in you. Et il est temps que tu actives cette puissance. It is time for you to activate that power. Il est temps que tu rêves. It is time for a Christian to dream. Entrer dans un hôpital. Enter in a hospital. Éviter l'hôpital. And empty the hospital. Tous les malades guérissent. All the sick people are healed. I'm tired of crusades. Où il y a 1000 paralytiques. Where there are 1000 paralytics. Deux seulement marchent. And only two will walk. Et on présente les deux de partout. And they will show the two people. Et le reste. And the others. Et le reste. And the others. Et le reste. And the others. Ton ministère. Your ministry. Ton ministère sera surnaturel. Your ministry will be supernatural. Tu vas prêcher, tu vas déposer les morts dans ton ministère. They are going to preach and put dead people. Et avant que ta prédication ne finisse, and before your preaching is ended, le mort va tousser. Quelqu'un va partir avec qui tu vivais tout seul. Quelqu'un, oh, je sais pas qui je parle. Si tu es venu chercher Dieu, if you came to look for God, tu vas trouver qu'il existe. You are going to find out that he exists. Les gens vont venir les pieds courts.
Some will come with short legs. Les pieds vont pousser. And the legs will grow. On va voir comment tu brilles sur l'onction. They'll see how you are shining under the anointing. Tu vas voir la gloire de Dieu vient sur de manière physique. How the glory of God comes on you in a physical way. Là tu vas ministère. When you minister, l'atmosphère du ciel remplit le lieu. The heavenly climate will fill the place. À partir de maintenant. As from now. Garde-moi ta vie chrétienne. Animation, ton passeport se perd. Yes. Enter your dimension where your passport is missing. Tu prêches, tu fermes les yeux. You close your eyes. Tu parles un peu en langue. You speak in tongues. Et tu vois nettement le passeport se trouve. And you see where the passport is found. Ça c'est être naturellement surnaturel. That is being naturally supernatural. Animation, tu regardes une femme comme ça. Well, to the dimension where you look at a woman. Elle dit je t'aime. And she says, I love you. Tu vois son cœur. But you see her heart. À l'animation, là où tu veux investir. Where you want to invest. Le Saint-Esprit te révèle que le papa sera fiman. The Holy Spirit will tell you, don't go there. It's not à l'animation, tu connais où tes enfants vont. You know where your children are going. Avec qui ils partent. With who they are going. Et ce qu'ils sont en train de planifier. And what they are planning to do. À la dimension, tu es naturellement surnaturel. The dimension where you are naturally supernatural. Je vais lever après cette conférence. I'd like to raise after this conference. Les fils du tonnerre. Les gens qui vont démontrer Dieu de manière brutale. People who can demonstrate God in a brutal way. Les gens qui vont regarder les possédés. People who can look at possessed. Et les démons vont implorer l'aide du Seigneur. And the demons will implore the help of the Lord. Je parle des gens qui vont rapporter les possédés. I'm talking about people who make possessed. Tu envoies ta chaussure. You send your shoe. Tout l'église est délivrée. All the church is delivered. Tu mets la main fort. Je cherche quelqu'un ce matin. I'm looking for someone this morning. Qui va entrer une dimension si glorieuse. Who can enter to such a glorious dimension. Qui va prophétiser. Who can prophesy. Et pendant qu'il prophétise. And while he's prophesying. La chose est déjà créée. The thing is already created. La personne quitte la prière. The thing will leave the prayer. Et tourne la prophétie à la maison. Amen. Il n'y a pas de prophétie. Je cherche ce matin quelqu'un. I'm looking for someone this morning. Il dit, j'ai goûté dynamis. Who said I've tasted dynamis. Mais je veux épicaïso. Now I want épicaïso. Avec dynamis. With dynamis. Une femme peut être stérile. A woman can be barren. Tu pries. You pray. Ça se brise. It is broken. Et elle accouche. And she gives birth. Mais avec épicaïso. But with épicaïso. Tu regardes la femme stérile. You look at the barren woman. Tu enlèves la stérilité. You remove the barrenness. Tu donnes le sexe de la femme. You give the sex of the child. Tu donnes le jour de la naissance. You give the day. Je crois qu'il n'y a pas les gens dans ce but. Avec Picaïso. With Epicaïso. Tu ne dis pas seulement recevoir. You will not only say receive. Tu n'es pas ready. You will not say être prêt. Qu'ils soient prêts ou pas. Whether they are ready or not. Ce n'est plus ton problème. It is not your problem. Là tu entres seulement quelque part. When you enter somewhere. Alors que tu passes nos choses là déjà. When you are passing and the people are already there. Tu regardes, Dieu regarde ce côté. The side you are looking, God looks at that side. Quelqu'un te touche, il est zap in the glory. When somebody touches you, he's caught up in the glory. Quelqu'un ne salue pas sur l'onction. When somebody greets you, he's under the anointing. Tu souris quelqu'un pas sur l'onction. You smile with somebody, he goes under the anointing. Tu bouges les corps humains quand tu bouges les habits. You shake human bodies as if they were dressed. Tu contrôles les corps humains. You control human bodies. Pour démontrer que tu as le contrôle. To show that you have control. Tu les gens parlent, tu traduis leur langue. People speak in tongues, you translate. Quelqu'un n'a pas dit amen, dis donc. Je cherche un homme ce soir. I'm looking for a man tonight. Et pendant qu'il va prier. Yes. While he's praying. Un ange va apparaître dans sa chambre. An angel will appear in his room. Et lui communiquer le message qui vient du ciel. I'm communicating him a heavenly message. Je cherche quelqu'un ce matin. I'm looking for someone this morning. Qui peut-être a perdu le numéro de téléphone. Who has lost the phone number. Un ange va faire s'approcher de lui. Et an angel will stand by him. 89-85-53-22. Je cherche quelqu'un ce matin. I'm looking for someone. Il veut prendre une voiture. He wants to take a car. Un ange de Dieu, il ne manque pas. It's an angel who said on climb. Ce sont les bandits là-bas. They are thieves. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu entres les profondeurs. If you enter into the deep sea. Tu auras les hauteurs dans ta vie. You are going to have a height in your life. Tu vas attirer l'argent sur les bras. You are going to attract money. Tu ne peux pas ouvrir comme je parle, tu es pauvre. You cannot be so much anointed and you are poor. Ce champ de gloire marche avec la prospérité. Such anointing works with prosperity. Ton ministère sera comme la mec. Your ministry is going to be like les gens viendront faire le pèlerinage dans ton ministère. People come and do pilgrimage in your ministry. Les blancs, les américains, les chinois, toutes sortes de personnes viendront. All kind of people will come. Et la prophétie de Zacharie va s'accomplir. And the prophecy of Zachariah will be accomplished. Mais en ces temps-là, at that time, dix sortes de toutes les nations.
par le pan de son vêtement. Through the hem of his garment. Et diront, nous voulons aller avec toi. And they will say, we want to go with you. Parce qu'on a appris que tu es avec toi. Because we have learned that God is with you. Quelqu'un n'a pas dit amen, je parle de son vêtement. Ce n'est pas eux qui parlent, c'est à toi qui parle, mon frère. Jean-Pierre dit que le Saint-Esprit lui change ta vie complètement. The Holy Spirit wants to change your life totally. Il est accordé un mariage miraculeux. He came to give you a miraculous marriage. Les habitudes puissantes qui sont en toi. Such habits which are in you. Au contact de la gloire divine. At the contact of the divine glory. Les mauvaises habitudes vont se briser seules. The bad character is going to go. J'arrive pas à laisser la pierre. I'm not able to leave beer. J'arrive pas à laisser la cigarette. I'm not able to leave cigarette. Marche un peu au ciel. Walk in heaven. Marche un peu au ciel. Walk in heaven. Marche un peu au ciel. Walk in heaven. Même pour une seconde. Yes. Only for one second. Le coup de l'alcool va te laisser seul. The test of the beer is going to be. Le problème c'est que les chrétiens sont sur la terre. The problem is that Christians are on earth. Ils sont déconnectés au ciel. They are disconnected from heaven. Les fêtes tu adores. Parties you like them. Hébreux, tu adores. Parties you are there. L'ambiance tu adores. You like when there is party. Tu aimes encore tout ce qui est ici-bas. You like all what is from here. Ça continue à pas accès aux réalités invisibles. That is why you don't have access to the invisible tu reality. Tu ne peux pas vivre comme les gens du monde et vouloir expérimenter le surnaturel. You cannot live like the worldly people. You want to experience the supernatural. Là où ils entrent. When they enter, you enter. Ce qui fait danser, ne fait danser. What makes them to dance, dance les to. Les gens ne peuvent pas danser leurs choses. People of the world cannot be dancing. Et doctor danse avec eux. And doctor will be dancing with them. Il ne va jamais danser leur musique. He will never dance their music. Parce que doctor danse in the Holy Ghost. Because doctor dances in the Holy Spirit. Il n'est pas venu danser les chants que les gars ont composés ici-bas. He's not there to dance for the, about the song that people wrote. Je danse pour le rythme de la terre. I'm not dancing at the rhythm of the earth. Danse au rythme de l'esprit. I'm dancing at the rhythm of the spirit. Après avoir dansé, qu'est-ce que tu as eu? Well, after dancing, what did you have? Rien. Nothing. Après avoir bu, qu'est-ce que tu as eu? After drinking, what did you have? Rien. Nothing. Après tes boîtes de nuit, qu'est-ce que tu as eu? After a nightclub, what did you have? Rien. Nothing. Après tes petits bureaux, qu'est-ce que tu as eu? After all your boyfriends, what did you have? Rien. Nothing. Il est temps que tu dises non à tout ce qui est en bas. It is time for you to say no to all what is earthly. Tu dis, il est temps que je regarde mon créateur. It is time for me to look at my creator. Oh, Jehovah Jireh, où es-tu? Jehovah Jireh, where are you? Jehovah El Gomola, où es-tu? So Jehovah El Gomola, where are you? Jehovah El Kano, où es-tu? Jehovah El Kano, where are you? Jehovah El Emuna, où es-tu? Jehovah El Emuna, where are you? Le Dieu que tu sers. The God you serve. N'a pas d'anniversaire. Does not have a birthday. Le Dieu que tu sers. The God you serve. N'a pas de carte d'identité. Does not have an ID card. Le Dieu que tu sers. The God you serve. S'assoit dans son conseil seul. Sit in his council alone. Il demande la permission à personne pour élever quelqu'un. And he asks the permission to no one. Le Dieu que tu sers. The God you serve. S'appelle Boré. His son Boré. Le Dieu créateur. The creator. Le Dieu God que creator. Tu sers. The God you serve. S'appelle Adonai. It's called Adonai. It's called Yeshua Tai. It's called Bashaim. It's called Magenenu. It's called Magenenu. It's called Jehovah Kereh. It's called Jehovah Kereh. Jehovah El Abba. Jehovah El Abba. Jehovah El Abba. Jehovah El Abba. Le Dieu que tu sais. The God you serve. S'appelle Jehovah Shammah. It's called Jehovah Shammah. Il est capable d'embellir ta vie. He's able to beautify your life. Celui qui a créé le ciel. The one who created the heavens. Celui qui a créé la rose. The one who created the rose. Because nobody
C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en langue se construit lui-même. He will speak in tongues be himself. Il développe ses muscles spirituels. He develops his spiritual muscles. Les chrétiens sont chétifs en esprit. Christians are small in the spirit. Quand ils disent démons sortent, démons ne sortent pas. When you say devil out, he will not go out. Quand je commande, rien ne se passe. When you command, nothing will happen. La batterie est plat. His battery is flat. Mais un chrétien qui constamment. But a Christian who constantly. Shokataya. Libra kubakataya. Andoroboshi. Pendant qu'il prie en langue. While he's speaking in tongues. Je change son esprit. He will change his spirit. Je change son esprit. God changing his spirit. Pendant qu'il prie en langue. While he's speaking in tongues. God will bring him the superior frequency. Where he can take the heavenly frequency. He commence à capter le signal divin. The heavenly signal. Et il prophétise. And he can prophesy. Avec exactitude. With precision. Mais que ce message. May this message. Soit ton témoignage. Mais que ce message. May this message. Soit ton témoignage. There are people who walk in the wonderful dimension of the spirit. Pendant combien de minutes peux-tu adorer le Seigneur? How long can you worship the Lord? Après on adore, après tu baisses la main, les mains de fond de la main. When we start praising, your hands are already down. Tu dis nous élevons nos mains, mais les mains sont comme ça. But your hands are down. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. You are not praising the Lord. Tu es en train de jouer un film dans la présence du roi des rois. You are praying, you are playing a movie in His presence. Nous chantons prosternons-nous devant le roi. Tu es debout. You are singing a song, but you are standing up. Tu dis que je suis à genoux, tu es debout. You say you are on your knees, but you are standing up. Tu dis que je m'allonge, je m'endors, mais tu es debout. You say I lay flat in front of you, but je lève les mains, mais toi, tes mains sont comme ça. I raise my hand, but your hands are down. Tu es conscient de qui s'est porté, qui ne sait pas quoi faire à l'église. You are conscious of who did what in church. Ah, qui vient de cracher sur toi, qui met sa salive sur toi. Who just spat on you. Mais je cherche ce matin. But I'm looking this morning. Quelqu'un qui va se perdre l'esprit quand il adore. Someone who can get missing in the spirit. When he closes his eyes, il est plus au he's no longer in Cameroon. Il se retrouve. He finds himself de l'autre côté. On the other side. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un ce matin. Amen. Je cherche quelqu'un qui s'en même mal de faire mes yeux s'arranger pour rien. I'm tired of closing my eyes and they'll become red. Je vais faire mes yeux partir en esprit. I'll let you close my eyes and go in the spirit. Je vais faire mes yeux retrouver au ciel. Close my eyes and be in heaven. J'entends que tel homme de Dieu a vu ceci. I bet that this man of God sees this. Quand est-ce que je vais aussi voir? When am I going to see? Reçois la grâce. Receive the grace. De voir et d'expérimenter. Je parle à quelqu'un qui est à la maison. I'm talking to someone in town. Reçois la grâce. Receive the grace. De vivre une chrétienne surnaturelle. To live a supernatural Christian life. Donnez-moi la main plus fort que ça. En conclusion. To conclude. Si ton Christ n'a pas la puissance. If your Christianity is powerless, c'est la religion. Amen. It is religion. Amen. Amen.